Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Dans vos oreilles, Mathilde Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi. On marque un peu les écarts, évidemment, c'est oui. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Le Danemark affronte la France. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Pour le Danemark, et voilà Kasper Schmeichel, Andreas Christensen avec Andersen en défense centrale, Højbjerg sera accompagné par Christian Eriksen au milieu, et donc pour finir cette formation avec deux éléments. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien, c'est un véritable spectacle.
le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Christian Eriksen. Thank you.
à l'instant la fin des 45 premières minutes. Sur la première mi-temps, évidemment, les amateurs de beaux jeux se régalent en voyant Kingsley Coman. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Thank you.
Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Nelson. Ça passe par Andersen. Et l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Ça rend les choses plus faciles pour ce coéquipier.